Finissons-en. Un homme normal n'aurait pas survécu. Le virus a envahi son corps. C'est pour ça que vous allez faire ces expériences, docteur. Et si les résultats ne vous plaisent pas, colonel Rooks? Heller appartient à Gentech désormais. Si ça tourne mal, on brûle tout. Vous brûlez? Non, hors de question. Ce spécimen est trop précieux. S'il vous dit de le brûler, vous obéirez au colonel. Bien, commençons. Hé! Tu m'entends? Ça suffit, il est trop dangereux, brûlez-le.
exécution ordonnée par le colonel Rooks à 2h23. Envoyez une équipe de nettoyage. Assurez-vous qu'il est mort. Bon sang, colonel, un docteur comme vous n'a rien à faire ici. Prenez pas ce petit ton avec moi, docteur. J'ai lu vos rapports d'expérience. Il a l'air mort, colonel. Vérifiez. Je ne veux pas d'un autre mercenaire dehors. À vos ordres. Ton destin. Je t'ai choisi pour ça. Bordel ! Mais qu'est-ce que tu m'as fait ? Je t'ai donné le virus Mercer. C'est comme ça qu'ils l'appellent, non ? Le même virus 2 années de suite, et toujours le Black Watch pour sauver New York. Réveille-toi. C'est pas une épidémie virale, mais un test d'arme biologique. Gentech l'a conçu. Le Black Watch le contrôle. Et je porte le chapeau. Et ce type va te le prouver. John Seller, voici le lieutenant Mark Simon du Black Watch. Je t'emmerde ! Ouais, laisse-toi faire. Laisse-toi aller. Laisse la vérité venir à toi. Les interventions de Mercer nous ont déjà causé assez de problèmes. Il doit être neutralisé une bonne fois pour toutes. Vous avez peur qu'il foute encore plus la merde. Je fais partie de l'équipe de GenTech qui a créé le virus en 1974. Bon, en 1975, je ne le laisserai pas tout gâcher. C'était quoi ? Chaque être vivant que tu assimiles te rend plus fort. Tu prends leur apparence et tu prends leurs souvenirs. Je t'ai écouté. J'ai vu ta saloperie de virus, mais j'ai rien vu qui puisse me faire croire que tu dis la vérité, et pas eux. Vraiment ? Ils t'ont charcuté, mis dans une cage avec des infectés affamés, et ils ont tenté de te brûler vif. J'ai pas libéré le virus, ni tué ta femme et ta fille. Qu'est-ce que tu veux, alors ? Les combattre ? Je veux les détruire.
Le Black Watch, Gentech, leur virus. Et je veux ton aide. Mais tu dois d'abord faire quelque chose. Gentech se livre à des expériences avec le virus. Il crée toutes sortes d'infectés. Il te faut cet ADN. Quand tu seras prêt, je te retrouverai. Et par pitié, enfile quelques vêtements. Avoir besoin, on dirait. Ok. Faut que je prenne de la hauteur. Pour savoir où je suis. Commandant du Black Watch, un cobaye de Gentech est en liberté dans la zone. Il s'appelle Gatch Heller. Le spécimen est noir, chauve et âgé d'environ 35 ans. Il porte une veste en cuir et il est extrêmement dangereux. Si vous l'enterrez, tirez à vue. Essaye seulement de me trouver. Ce quartier, c'est mon église. Je me demande si le père Guerra est là. J'aurais bien besoin de conseils spirituels en ce moment. Venez-vous me trouver? Je suis là parce que vous savez des choses. Les gens vous parlent.
Je suis là parce que j'ai besoin de votre aide. Oui. J'entends beaucoup de choses. Souvent tristes. L'infection a balayé tout le monde. J'ai tenté d'aider. J'ai fait tout ce que je pouvais. Mais le Blackwatch est arrivé. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont rassemblé les gens sains dans des camps. Ils les ont infectés et mis en cage avec les monstres. Avec quelques amis, j'ai tenté de les faire sortir, mais ils nous ont pris. Personne ne s'en prend au Blackwatch. Je vais vous prouver le contraire. Si ce que dit Mercer est vrai, il faut que je m'intéresse à Gentech et au Blackwatch, qui commande par ici. D'accord. J'ignore leur nom, mais il y a deux commandants à l'hôpital. Ils en ont fait leur quartier. James, ne faites pas de grabuge, je vous en prie. Mon père, si c'est le Blackwatch qui a créé ce virus, alors ce sont eux qui ont tué Maya et Colette. Vous feriez quoi à ma place ? Soyez prudents. C'était quoi, ça ? J'ai des hallucinations, maintenant ? C'est pas drôle. J'y vois plus rien. Qu'est-ce qui vous inquiète, Riley ? Le docteur Koenig. Cette compassion pour Heller, c'était pas professionnel, c'était même écœurant. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un sujet dont on parle devant de simples soldats. Merde ! Williams ! Qu'est-ce que vous foutez dans le centre de commandement ? Regagnez votre poste ! Koenig, c'est le vieux de Gentech qui faisait des tests sur moi dans le labo. Je m'en occuperai plus tard. D'abord, je dois semer ces enfoirés. Viper 2, ici Rappler. Répondez, Viper 2. Merde. On a un peu de cible. Allez, on y va. James, vous avez trouvé les commandants ? Un seul. L'autre s'est enfui. J'ignore où il a pu aller. Vous en faites pas pour ça. J'ai un moyen de le retrouver. Viper 3, ici Rattler. On vient de perdre le contact avec Viper 2. Bien sûr, Rattler. On est de corvée de nettoyage. Ça devrait pas prendre longtemps. Bien sûr. Restez sur vos gardes. Un cinglé en liberté. Je serais mieux si je pouvais voir un peu plus loin. Viper
tard, j'assure. Il va être brutal pour Koenig s'il croit que Rooks n'est qu'un simple bureaucrate. Bon sang, lieutenant, même moi, je pense pas ça. Mon ancien chef s'est battu avec le colonel après s'être murgé une nuit. Il est toujours à l'hosto. Il mange avec une batte. Il ne savait peut-être pas tenir sa langue. Comme vous, un peu de respect. Le colonel Rooks. Cet enfoiré a essayé de me faire cramer dans le labo. Voyons si je peux le retrouver. Quoique, je sais toujours pas comment ça marche, ce truc. Oh, merde. La crise, ici catapulte 2-4. J'attaque l'ennemi sur le pont. Thank you.
Enregistrement, 255 jours plus tôt. Ne nous tuez pas! Par pitié, ne tirez pas! Je veux entendre votre fils parler, madame. Il est autiste! Il n'est pas affecté! Je vous le jure devant Dieu! Non! C'est trop pour moi. Les fusillades, ok, c'est quand même de la poche, ok, on fait du business ensemble. Je dois trouver un certain Rooks. C'est lui qui a voulu me tuer dans le labo. Kels, le colonel Rooks est le commandant en chef des forces du Black Watch. Donnez le coup, il est tout seul. Gutenberg, à l'attaque.
Master Leader. On a perdu la moitié de nos hommes. Quels sont nos... Mako 1, mettez vos véhicules en position et attaquez la cible prioritaire. Bien reçu, Cotton Mouse. On passe à l'assaut. Terminé. Ici Mako 1-3. L'ennemi a un lance-roquette. On en prend plein la gueule. La raclée de leur hélice devrait rassurer le père Guerra. Père. James, vous êtes allé au parc? Ouais. Et vous les avez arrêtés? Oh oui, ça je les ai arrêtés. Mon père, ça va? Suivez-moi, on a beaucoup à faire. Blackwatch a 10 000 soldats à New York Zero. Et qui sait ce que fabrique Gentech dans ses laboratoires? Nous devons les arrêter. Vous lui faites confiance? Je ne sais pas. Mais James, si Alex Mercer veut tuer tous ces sales types du Blackwatch et de Gentech jusqu'au dernier... Il a tout mon soutien. Et Dieu dans tout ça, vous pensez qu'il sera d'accord? J'en fais mon affaire.